Salut, salut. Donc, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour mes 20 indispensables chez Makeup Révolution. Voilà. Donc, comme dans chaque vidéo, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos. Vous pouvez gagner 5€ de réduction sur votre première commande. Moi, je gagne des points pour avoir un bon de réduction de 5€ sur ma prochaine commande. Donc, voilà. Vous avez été très nombreux à l'utiliser jusqu'à maintenant. Donc, alors, pour celles qui aiment bien économiser 5€, sachez que vous pouvez l'utiliser en boucle. Il suffit juste de faire une nouvelle adresse mail. Voilà. Vous pouvez garder votre nom, adresse et tout. Il faut juste changer l'adresse mail. Voilà. Petit conseil pour gagner 5€ à chaque commande. Ça marche très bien. Bref. Donc, je suis désolée. Vous allez entendre du bruit. Parce que j'ai mon grand qui est rentré de sa semaine de travail. Donc, on est le week-end hein, pour moi. Du coup, il s'est acheté une PlayStation. Et maintenant, j'en ai un qui joue en haut et un qui joue en bas. On est cerné de geek ici. Voilà. Donc, c'est une idée de vidéo qui m'a été donnée, suggérée par DJ. Donc, ma chère petite DJ, je te préviens tout de suite au passage, coupe la vidéo tout de suite parce qu'après tu vas les commander, tu vas encore dire que c'est ma faute. Donc, voilà. Maintenant que tu as déjà fait une commande, tu n'as plus besoin de savoir lesquels indispensables il faut chez Révolution. Donc, bien sûr, vous le savez, puisque si vous me suivez, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous allez l'apprendre, mais... Révolution est vraiment ma marque préférée. Je commande dessus depuis l'ouverture du site pour remplacer ELF quand il a fermé. Et voilà, plus ça avance, plus j'ai des indispensables. Donc j'aurais pu vous en mettre 150 millions. Mais on va se limiter à 20. Hein ? Donc je vais commencer simplement avec mes palettes indispensables. Donc je vous mets mon top 5 Révolution ici. Donc il a un petit peu changé ces derniers temps, je vous l'accorde. Mais voilà, les 5 palettes que je vous présente restent quand même d'actualité constamment. Il y en a juste d'autres qui se sont rajoutées. On va dire ça comme ça. Donc, pour pas tirer en longueur avec les palettes, parce que je vous en parle très souvent, on va épiloguer. Ouais, on va pas épiloguer, justement. Je vous mets les liens des vidéos et de chaque IGTV et tout ça, des palettes mentionnées en barre d'infos. Ou en commentaire épinglé si j'ai pas assez de place. Mais normalement, je devrais avoir assez de place, donc ça sera en barre d'infos. Voilà. Donc, on va commencer avec mes deux palettes favorites de la marque qui sont des collaborations. Vous le savez. De toute façon, si vous me suivez, vous savez. Il y a bien sûr la Rich in Color en collaboration avec Patricia Bright. Voilà. J'aime autant la palette pour les yeux que la palette pour les teints. Le teint. Et c'est juste une... Donc, vous avez un grand miroir ici et c'est juste une palette hyper colorée. Donc, pour celles que ça intéresse, vous avez la... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous l'avez en version nude aussi, qui est très peu intéressante à mon goût, mais celle-ci était fort, très, très, très intéressante. Voilà, j'adore cette palette. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, il serait temps que je la ressorte un petit peu. Mais avec toutes les nouveautés que j'ai eues dernièrement, j'ai fait énormément de swatches de make-up, et du coup, j'ai plus le temps d'utiliser mes autres palettes. D'où le déclutter que je vous ai fait il n'y a pas tellement longtemps. Ça m'évite d'avoir trop de palettes et d'hésiter après à trop utiliser, et de ne plus utiliser celles que j'aime au détriment de celles que je teste. Ensuite, bien sûr, nous avons la Tropical Twilight avec la collaboration avec Tammy. Donc, j'ai la 2 et la 3. La collaboration, la première collaboration ne m'intéressait pas du tout. Je ne sais pas du tout mes teintes. Mais alors, celle-ci... Wouah ! Color de nude matte, color de nude irisé. On recommence. Rangée de nude matte, rangée de nude irisé, rangée de coloré matte et rangée de coloré irisé. J'adore cette palette, elle est vraiment super complète. Alors les nudes, c'est sûr qu'ils sont un peu plus adaptés aux peaux médium voire foncées. Moi je me sens très bien avec, ça me suffit. J'aime beaucoup les smoky marron par exemple et tout ça, et le coconut il est où le coconut? Ici, ou le trim ici pour faire, enfin de toute façon toute la rangée là pour faire un smoky, moi j'adore. Donc voilà, mais je m'en sers très souvent quand j'en ai pas d'autres à tester, comme d'habitude. Ensuite, vous avez eu mon classement. J'ai toutes les Flawless, sauf les 3 dernières qui sont sorties que j'attends pour commander. Les Forever Flawless, ce sont mes palettes préférées de la marque en dehors des collaborations. Je vous ai fait le classement. Je vous le remets juste ici dans le petit i. Voilà, j'adore ces palettes. C'est vraiment de la bombe atomique. Plus ils en sortent, plus meilleure la qualité elle est. Je me souviens que quand j'avais testé les premières, les 4 premières... Donc ça date d'il y a un peu plus d'un an ou 2 ans maintenant qu'ils ont commencé les Flawless, je sais plus. Mais j'adore ces palettes-là, franchement.
Et encore une palette indispensable pour moi, qui ne sera pas indispensable à tout le monde, c'est la transformation en collaboration avec Alexis Stone. Donc j'ai la grande qui sont les mattes que je n'utilise absolument jamais, qui je pense va virer lors du prochain déclutteur parce qu'elle me traîne là plus qu'autre chose. Mais ici ce sont uniquement des toppers et des toppers blindés de paquettes. Donc voilà, je m'en sers très 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 souvent dans mes vidéos. Donc j'ai un peu plus approfondi aussi ma recherche de soins et j'adore les soins Révolution parce qu'ils sont pas hyper chers, c'est de la super qualité. Et voilà, donc là je vous en ai mis trois, vraiment les trois que je préfère. Il y a les toniques. Donc je disais, avant que mon chien se mette à gueuler encore comme un con, il y a les toniques. Donc ça fait peu de temps que je teste les toniques de la marque, que je teste les toniques tout court d'ailleurs. J'ai ici celui à l'acide hyaluronique et celui à l'acide glycolique 2,5%. Voilà. Celui-ci un soir sur trois, celui-ci deux soirs sur trois. Et j'alterne et j'aime beaucoup. Et voilà. Que dire de plus, c'est des très bons teneurs pour le prix, franchement, rien à dire. Pareil, il y a un indispensable que j'utilise depuis très longtemps, alors pas ceci, c'est les essences en spray, comme ceci. Là, j'ai au pineapple, donc à l'ananas, qui est un éclaircissant, voilà, brightening. J'ai le cacadou plume, qui est à la vitamine C, donc vitamine C égale photosensibilisant à utiliser de préférence le soir. Là c'est vraiment, il y a de la baie de goji aussi, donc c'est vraiment un antioxydant et voilà, je les aime beaucoup. Mes préférés restent quand même le superfruit et l'acide hyaluronique. Voilà, donc une fois que j'aurai fini ceci, je recommanderai les deux que je préfère. Et bien sûr, je pouvais pas vous parler des soins Révolution sans vous parler des petits contours des yeux. Voilà, je les adore, celui-ci c'est la pastèque, c'est mon préféré avec le bacouchiol. Maintenant ils en ont sorti des avec un embout gloss comme ça, donc j'en ai un dans mon panier, j'attends la paye pour valider ma commande. Je testerai les autres aussi, et comme ça je verrai un peu, parce que je préfère les embouts gloss que les tremper mes doigts dans le pot. Voilà. Après j'ai un blocage avec les formats pot, mais je l'aime quand même celui-ci. Si franchement je le rachèterais, hein, à la pastèque là, et même au bacouchiol, je pense, je rachèterais aussi. Alors, ensuite, pour le teint, alors j'ai deux fonds de teint que j'utilise régulièrement, que j'aime autant l'un que l'autre, avec une préférence pour l'un des deux. Il y a d'abord le CC Perfecting Foundation. Donc, celui-ci, il y a un SPF 30 et il est hydratant. Donc, c'est de la gamme Révolution Pro, puisque vous le savez, il y a plusieurs gammes chez Révolution. Alors, moi, j'aime pas du tout Obsession, Freedom, ces choses comme ça. Ouais, Obsession, je crois que c'est I Heart et tout ça, je cours pas après. Mais alors, Révolution, Révolution Pro et XX, vous allez voir que c'est un carnage total. Hein. Donc voilà, j'adore, je l'utilise énormément en été. Par contre, le problème sur le site, c'est trouver sa teinte, quoi. C'est une galère. Là, j'avais commencé avec le F6.5, mais il est beaucoup trop clair. Et j'ai pris du coup après le F10, qui est beaucoup trop foncé. Donc maintenant, en mixant les deux, ça va. Mais comme j'ai presque fini le F6.5, il faudra que je le recommande pour pouvoir finir le F10. Tout un bordel. Et bien sûr, mon préféré de chez préféré reste le Conceal and Define, donc chez Révolution Classique. Moi, je l'ai en teinte F6 et F7.5. Je mixe les deux dans un flacon pour pas m'emmerder à mixer deux teintes sur ma face. Voilà, mais le F7.5 tout seul me conviendrait très bien. C'est juste que j'utilise le F6 qui a des sous-tons neutres pour enlever le côté un peu jaune du F7.5 puisque j'ai un sous-ton neutre, donc c'est un peu chiant. Ils ont énormément de sous-tons, ils ont les sous-tons olive, tout ça aussi pour les peaux un peu métissées. Maintenant, c'est quand même compliqué de trouver sa teinte parce que j'ai dû acheter 3 ou 4 teintes différentes pour trouver la bonne. Et encore, c'est en mixant deux que j'ai trouvé, quoi. Donc, voilà. Alors, en anti-cerne, j'en ai deux aussi à vous présenter en sachant que je vais ripper sur un des deux après, une fois que j'aurai fini mon stock du premier. Donc, le premier, c'est le Conceal and Define, encore en infinite, en grand format. Voilà, j'adore. C'est un énorme embout, comme j'adore. Là, j'ai enlevé les sorreurs, il est quasi fini. Je pense que demain, je peux le jeter. Voilà, j'aime énormément cet anti-cerne hyper couvrant, pas trop épais. Enfin, j'adore, qui s'applique super bien, se fond super bien la peau. Excellent. Par contre, il coûte 9,99€ pour 9,5 ml ou 9 ml. Attendez, 9 ml. Le XX Révolution est à 10€ tout pile pour 13,5 ml. Et je l'aime autant, j'aime autant le produit qui est à l'intérieur. Celui-ci aussi, j'ai enlevé les sorreurs. Voilà, j'ai usé jusqu'à la moelle. Il y a juste que je préfère le gros embout de l'autre.
Mais vu la différence quantité-prix, j'ai envie de vous dire, je m'adapte très bien à ce petit embout en forme de sabot. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fini mon stock du Infinite, je resterai sur le XX, puisque je vous dis quantité-prix, rapport quantité-prix, il revient beaucoup moins cher. Alors, pour continuer sur le teint de chez XX, récente découverte, réel coup de cœur, c'est devenu mon fixateur préféré, c'est le Face Fix. Moi, j'ai le Moisturizing, vous avez l'hydratant, le matifiant, et il y en a encore un autre, le Glow, je crois, un truc comme ça, le Brightening ou un truc comme ça. Là, j'ai le Moisturizing, donc normalement, c'est censé être nourrissant, hydratant. Ils ont à peu près tous le même effet, c'est juste que le composant n'est pas le même. Celui-ci est à base de coco, donc il sent la coco. L'hydratant est à base de pastèque, donc je pense qu'il sent la pastèque. Donc, j'avais commandé l'autre. Alors, ils sont un peu plus chers que le celui de chez Primark, hein, qui coûte 5 euros. Ceux-ci sont à 12 euros pour la même contenance, mais je l'adore. La brume est tellement fine qu'on a l'impression que le spray est sec. C'est un truc de malade. Il est super fin. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas tellement il est fin, quoi. Voilà. Je suis en train de m'en foutre partout, mais... Oh, putain, ça sent bon la coco, mais non. Et alors, pareil, il fait super bien tenir le maquillage. Il fait bien... ils font bien toutes les matières entre elles et tout. Coup de cœur sur ce fixateur. Vraiment, big coup de cœur. C'est vraiment, vraiment mon fixateur préféré. Peu importe le prix, même qu'il est plus cher que le Primark, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. J'attends une belle promo pour avoir 2 plus 1 gratuit, par exemple, ou des choses comme ça, pour m'en commander un stock d'avance, mais j'adore. Toujours dans le teint, il y a les palettes teint. Alors, avec une que j'avais eue dans un mystery bag, je ne sais plus dans lequel, mais c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la Mega Matte Amplified Palette. C'est des gros contenants, hein. C'est des contenants de 8 grammes, je crois. Oui, 8 grammes. Voilà. Rien à dire, j'adore cette palette, je l'ai énormément utilisée. Vous avez vu que je l'ai utilisée dans Useress Makeup demain. Et j'ai utilisé les produits que je vous présente. J'ai oublié de vous le dire au début, donc je vous le dis maintenant. Vous avez, alors je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Une poudre blanche que moi je me sers pour l'anticerne et les zones à illuminer. Une poudre beige, une poudre jaune normalement pour l'anticerne, mais là elle est très jaune, donc pour les peaux claires c'est pas l'idéal. Vous avez 3 blushs, donc un rosé, un pêche corail et un marronné, un fard de contouring et un bronzer. J'adore tous les produits qui sont dedans sauf la poudre jaune. Je me sers de tout sauf celle-là, mais j'adore. Et pour l'avoir reçue en cadeau, oh, je suis fan de cette palette. Deux autres palettes teint qui sont avec moi depuis un bon moment, surtout celle-ci d'ailleurs, ça se voit à la gueule de la main. D'ailleurs ils l'ont reconditionné, il me semble. C'est la Ultra Blush Palette Sugar and Spice. J'adore cette palette de blush. Voilà. Oups, je me coince les doigts dedans. Vous avez 6 blushs et 2 highlighters rosés. Hein. Ça dépend de la teinte de la palette que vous prenez. Les blushs marronnés ici. Ah, mais enfin, les 2 blushs marronnés ici. Le rosé un peu vieux, rose foncé comme ça. C'est mes 3 blushs préférés de la palette. Ceux-ci sont un peu moins utilisés. Mais alors, les 2 en dessous, c'est il y a limite des trous dedans maintenant. Oui, il y a des trous dedans. J'adore cette palette. Voilà. C'est une palette de blush que j'utilise très souvent. Et ensuite, je vous ai fait... je vous remets la vidéo juste ici, le comparatif avec cette palette d'highlighter et la Jeffree Star, hein, la Platinum Ice. Voilà. Celle-ci, je l'ai achetée et 3 jours après que je l'ai achetée, elle était en promo 50% à 5 euros à la place de 10. Donc voilà, alors il faut que je fasse doucement parce que les pannes se cassent la gueule, donc je vais la tenir. Vous avez With Highlighter de toutes les couleurs avec un vert qui, oh my god, est aussi beau que le Jeffree Star. Le Jeffree Star est juste un tout petit peu plus pailleté, mais les reflets verts sont canons. Et le pêche ici, il fait partie aussi de mes highlighters préférés. Voilà. Et question lumière, j'adore. Franchement, elle est très souvent soldée, donc n'hésitez pas, foncez dessus avant qu'ils l'arrêtent, parce qu'ils ont le chic pour arrêter les produits que j'aime bien. Alors, pour rester toujours dans le teint, 2 produits XX encore et encore, mais la réelle découverte, réel coup de cœur. Vous avez d'abord le petit blush comme ça, donc moi je l'ai en teinte Antis. Et oh my god, j'adore ce blush. Il est canonissime. Donc si vous préférez les blushs individuels plutôt que les palettes, foncez sur cette gamme-là.
Vous avez un choix de teintes incroyable et la qualité est d'enfer. Alors, hyper poudreux dans le pan, comme la plupart des produits teintes chez Révolution, mais qui se diffuse d'une manière parfaite sur la peau, qui s'estompe tout seul. Oh, j'adore ce blush, j'adore. Je viens de l'enlever un petit peu de ma rotation make-up et j'ai limite envie de le remettre dans mon petit panier. Et enfin, un produit que j'utilise depuis 2 mois non-stop, c'est toujours de chez XX, hein, c'est l'highlighter en teinte éco. Mon Dieu que j'aime cet highlighter. Voilà, c'est encore celui que je porte. Ah, j'adore cet highlighter. Que dire de plus? Je vais vous faire un swatch. Voilà, juste ici. Magnifique comme un chéri. J'adore cet highlighter. Et là, je l'ai mis que sec, mais des fois, je humidifie mon pinceau pour l'appliquer humide. Et là, ça bam, hein. Ça bam d'enfer. J'adore. Je suis folle de cet highlighter. Je l'utilise tout le temps. Ça fait 2 mois que j'utilise quasi tous les jours, que j'utilise à peine le Too Faced. Hein. Alors, pour en revenir aux yeux, déjà, vous avez, je crois que vous le savez maintenant, la Cut Crease Canvas, donc c'est la base. Moi, je l'ai en teinte Illustrate et Halo, qui est la blanche, pour faire les semi-cut crease. Là, pareil, il m'en reste 2 en stock, je crois. Je vais commander la XX pour tester, parce que question quantité-prix, encore une fois. Celle-ci est à 6 ou 7,99. Je ne sais plus exactement. Il me semble qu'elle est où ? Il me semble qu'elle est 6 ou 7,99 pour 4,5 ml. Donc la quantité est à chier, on est d'accord. C'est pour ça que j'enlève toujours les sourires à la fin, hein, pour ne pas gaspiller 1 ml. Hein. La XX est à 8 euros tout rond pour 13,5 ml aussi, comme l'anticerne. Donc c'est la même contenance que l'anticerne. Il faut juste faire attention de ne pas se tromper si vous avez les deux. Mais j'ai remarqué que le capuchon ici est gris anthracite, l'autre est plus gris acier clair comme ça. Vous l'avez soit en transparente chez XX ou soit en couleur teintée, crème qu'ils appellent ça. Donc je vais la commander, je vais la tester et voilà, on verra si elle est aussi bien que celle-ci. Et si elle est aussi bien, je resterai sur la XX après vu que le rapport quantité-prix revient beaucoup moins cher avec la XX qu'avec celle-ci. Voilà. Un autre produit, donc là je l'ai mis en muqueuse aujourd'hui, c'est un pigment pommade en teinte hot pink. Vous savez, alors je les ai presque tous, j'en ai 6, dont le noir. J'avais le blanc que j'ai flingué, tout simplement, en essayant de faire des mixtures, je l'ai un peu flingué. Il existait encore le Classic Red qui était un rouge et le Burgundy qui était un Burgundy. Je les ai jamais commandés, j'aurais bien aimé le rouge, mais il n'existe plus apparemment. Donc voilà, mais j'adore ces produits-là. En fait, vous pouvez tout faire avec, que ce soit vos sourcils, ils peuvent servir de base en muqueuse. Si vous l'humidifiez un peu, ça fait un liner. J'adore ce produit. J'adore. D'ailleurs, le rose, on voit que je l'aime bien. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Et qui dit humidifier un liner crème comme ça, dit mixing liquide. Mon Dieu, je crois que c'est un de mes produits favoris de la marque, hein, que j'utilise le plus régulièrement en fait. En dehors du fond de teint et compagnie. Sauf qu'il est en rupture de stock depuis des mois. Donc je pense qu'ils vont l'arrêter. Donc c'est le dupe du Duraline de chez Inglot, hein, tout simplement. Donc une fois que j'aurai fini celui-ci, je serai obligée, s'il ne le rentre pas, il faudra que je regarde pour le Inglot. Ou j'ai trouvé le Meron aussi sur Amazon, qui est un peu moins cher que le Duraline, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais celui-ci, je l'adore. Voilà. Donc là, c'est Révolution Pro pour les deux. J'espère vraiment qu'ils vont rentrer en stock. Et là, je pense que je vais me commander un stock. Pas possible. Moi, je m'en sers aussi pour humidifier mes petits trucs-là. Pour qu'ils soient un peu plus fluides à appliquer. Vous pouvez vous en servir comme colle à paillettes. Alors, attention, quand vous l'appliquez sur un fard, c'est huileux. Donc, ça peut faire déplacer le fard à paupières. J'utilise pour gratter mes fards à paupières et faire des liners colorés. Pour mixer, enfin, coller mes paillettes ensemble, si vous voulez, pour faire un liner pailleté comme j'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser dans les pommades à sourcils pour les réhumidifier si elles sont secs, si elles sont trop sèches. Pour les fards à paupières qui sont trop secs, crème, d'en faire ce petit produit, c'est de la bombe atomique.
Donc, pour finir avec les lèvres, alors j'ai pas énormément de produits lèvres chez Révolution, j'en ai que 3. Ouais, 4 avec le crayon. J'aime beaucoup le Rain. C'est marqué juste Révolution dessus, je sais pas trop, c'est la gamme classique. Hein. J'avais ça aussi dans un. Non, je l'avais acheté chez Creutzwaht en promo. Donc, c'était un kit avec le rouge à lèvres et le crayon. J'aime les deux, que ce soit le crayon ou le rouge à lèvres. J'adore, super tenu et tout. Mais moi, mes indispensables, c'est les Révolution Pro, comme ça. Alors, je ne sais pas le nom. Ils n'ont pas marqué le nom des... Juste les teintes, en fait, pas le nom. Mais bon, c'est ceux qui ont un packaging avec un effet léopard, comme ça, doré. Donc, aujourd'hui, je porte le Séclusion, que vous avez été nombreux à acheter à cause de moi, mais que moi, j'ai acheté à cause de Val Beauty. Et voilà, j'adore cette teinte. Magnifique, magnifique. Par contre, je vous conseille... Chose que j'ai oublié de faire aujourd'hui, c'est de mettre un crayon en dessous parce que c'est pas un mat, il sèche pas. Il y a du transfert légèrement, mais il y a du transfert quand même. Il sèche pas totalement, donc il est assez crémeux et du coup, il a tendance à filer dans les petites ridules quand vous êtes un peu grand-mère. Et le Undress qui est un nude parfait. Je vais vous faire un swatch de celui-ci. Voilà, je les adore et ils tiennent super bien. Sauf qu'il file un peu dans les ridules et je vous dis, il faut mettre un petit crayon en dessous et ça passe crème, quoi. C'est génial. Par contre, il y a le biscuit que j'aimerais bien acheter à cause de Manon. Je crois que c'est de la collection avec Nat. Et Val Beauty & Co. adore une gamme de rouge à lèvres mat, mais je ne sais plus à quel faudrait que je lui demande. Et peut-être que je vais essayer de me concentrer dessus, mais bon, j'ai tellement de rouge à lèvres déjà, quoi. Donc, je vais éviter d'en racheter trop. Voilà, mais... Sinon, ceux-ci, je les aime beaucoup. Et donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. DJ, j'espère que tu es parti depuis un bon moment, que tu ne viennes pas dire après que c'est de ma faute si tu fais des achats, encore. Hein. J'en ai marre de me faire accuser, moi. Non, mais... j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si c'est le cas. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos indispensables chez Révolution. Il y a peut-être des produits que j'ai pas encore testés. Hein. Voilà, j'ai pas tout testé. De la marque, de toute façon, ils sortent beaucoup trop de nouveautés, on est d'accord. Hein. Des nouveautés tous les mercredis... Voilà quoi. Alors arrêtez de me demander si je vais acheter la collection Friends. C'est non, parce que c'est très peu intéressant. Et acheter juste les palettes, juste parce que c'est avec Friends et avoir les packaging Friends, c'est très peu intéressant aussi. Donc non. Collection Friends, pas pour moi. Voilà, on attendra la deuxième partie, puisqu'il y aura une deuxième partie avant la fin de l'année. Je ne sais pas quand exactement. À mon avis, un peu avant les fêtes. On verra, ça sera peut-être un peu plus fun. Un peu plus à l'image de Phoebe. Voilà, parce que là, c'est très Monica. Hein. Mais bon... Donc non, j'achèterai pas cette chose-là et j'achèterai pas non plus le calendrier de l'avant. Voilà, le classique ne m'intéresse jamais. L'étoile est un peu plus intéressante, mais beaucoup trop chère. Elle est au même prix que la Zévora, quoi, donc pas intéressant non plus. Donc non, calendrier de l'avant, collection Friends, non. Les nouvelles Forever Flawless, ouais, mais vous le saviez déjà. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. C'est totalement gratuit, hein, ça vous coûte absolument rien. Parce que j'ai vu récemment, on m'a appris un peu à me servir de l'analytique de YouTube. Si toutes les personnes qui regardent mes vidéos étaient abonnées à ma chaîne, je serais presque à 10 000 à l'heure qu'il est. Hein. Voilà, donc si vous regardez mes vidéos régulièrement et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, ça m'encourage énormément. Et n'oubliez pas qu'à 5000 abonnés, il y a un make-up spécial, enfin une vidéo spéciale en Digimobile, un make-up en Digimobile. Voilà. Donc on a hâte de la faire. On est un peu pressé, donc on espère que ça sera vite 5K pour qu'on puisse faire cette vidéo. Voilà. Il nous en faut peu, hein, nous, pour nous amuser. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à tous les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, parce qu'il y en a. Il y en arrive tous les jours, donc c'est vraiment adorable. Et je ne demande pas plus. Voilà. Moi, du moment que ce que je fais vous plaît. Je suis heureuse et moi, au moins, ça m'amuse toujours autant. Donc, on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo, mais avec des petits make-up du jour en bonus, par-ci, par-là. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.